Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo wishlist puisque c'est bientôt mon anniversaire et j'avais envie de partager ma petite wishlist avec vous. Donc comme vous le voyez, on est dimanche à l'heure où je tourne cette vidéo et je n'avais pas envie de me maquiller, donc voilà, je laisse un peu respirer ma peau et donc c'est parti. En premier, on va commencer par le maquillage. Et la première chose qui est sur ma wishlist et que je ne sais pas du tout si j'aurai un jour, puisque je suis pas sûre, je sais pas du tout, mais je voulais donc la palette Gingerbread de chez Too Faced, mais je sais plus du tout, je sais pas du tout si elle est encore continuée ou pas, ou s'ils ont fini de la produire, parce que je pense que c'était une édition limitée. Bref, j'arrive 3 ans après la guerre. Voilà, j'aimerais bien avoir cette palette là. Si je la trouve, je me la prendrai sûrement. Donc voilà. Ensuite, on reste dans les palettes avec la Naked It de chez Urban Decay. Donc voilà, une petite palette qui me tente un peu plus que les autres. J'ai déjà la Naked 3. Voilà, les autres me tentent un peu moins. La Cherry aussi me tente moyen. Donc c'est celle-ci qui me tente le mieux parmi les palettes Urban Decay. Puis voilà, une petite en plus dans la collection. Et la dernière palette, c'est celle-ci. C'est la Rose Gold de Huda Beauty. Donc voilà, elle est un peu chère, mais j'aimerais vraiment, vraiment la tester puisque tout le monde en parle. Donc voilà, ce sont principalement les trois palettes que j'aimerais avoir pour le moment. Il y a toujours des palettes Zoeva, Anastasia, etc. Mais je m'y intéresserai à mon avis un peu plus tard. Ensuite, toujours dans le maquillage et toujours chez Huda, c'est la base de teint hydratante. Donc voilà, j'aimerais bien la tester et je me suis un peu mise aux bases et surtout les bases hydratantes parce que j'ai la peau super sèche pour le moment et voilà, ça me permet que ma peau reste hydratée un peu plus longtemps. Ou sinon, quand j'en mets pas, j'ai mon fond de teint qui me tiraille, etc. Donc voilà, quand j'en mets, ben, je vois une bonne différence. En parlant de fond de teint, j'arrive à la fin des miens et j'aimerais bien tester celui-ci de chez Urban Decay. Donc c'est le All Nighter. Donc voilà, je sais pas du tout encore quelle teinte m'intéresse, enfin me conviendrait mieux. Je vais mener mes petites recherches. Et ensuite aussi, avant-dernier truc maquillage, accessoire. J'aimerais beaucoup tester les pinceaux Zoeva, donc j'aimerais bien me prendre un petit kit. Donc voilà, il y a celui-là. Celui-là qui me tente bien aussi. Encore un avec que des pinceaux pour les yeux. Et enfin, dernier truc maquillage, c'est la base P. Louise. Donc j'aimerais beaucoup, beaucoup tester cette base. Je suis en plein dans les vidéos de Marion Caméléon et elle en parle tout le temps et elle a l'air super top. Donc j'aimerais bien me faire mon avis sur cette base. Ensuite, on sort du maquillage mais on reste sur YouTube. J'aimerais bien un nouveau trépied, donc ce genre de trépied qui permet de filmer un plan vers le bas. Donc ça me permettrait de faire d'autres genres de vidéos que j'ai envie de tester. Je vous en dis pas trop. Donc voilà, j'aimerais beaucoup, mais c'est hyper cher ce style de trépied. Donc voilà, c'est un peu une envie. Toujours dans les vidéos, pour améliorer la qualité de mes vidéos, j'aimerais bien avoir un anneau lumineux comme ceci pour filmer. Donc voilà, c'est fini pour cette wishlist. C'est très très court, mais bon, il n'y a pas besoin de s'éterniser là-dessus. Ça reste une wishlist. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les petites choses que vous aimeriez bien voir. Ça pourrait me donner d'autres idées. Donc voilà, mettez un pouce en l'air. On se retrouve dans une prochaine vidéo.